Welcome guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Et cette fois ça va être un vlog un peu différent. Parce que vous avez vu deux derniers vlogs la semaine dernière. C'était un peu chaotique. Voilà, c'est mon quotidien de cours. Et je me suis dit on peut pas rester sur cette note. Et en même temps il y a un contexte de pourquoi je fais ce vlog. Enfin moi je vais tout vous expliquer. Ces derniers temps, j'ai pas été dans une très bonne... En fait depuis la rentrée. J'ai pas été dans une très bonne dynamique, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de la motivation, au niveau du stress et au niveau de romantiser ma vie en général. Donc quand je dis romantiser sa vie, c'est genre un peu s'imaginer, genre comme si t'étais dans un film en fait, comme si t'étais le main character. Comme si t'étais une meuf de Pinterest, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mon père est malade, voilà, donc si vous l'entendez tout c'est normal. J'étais grave dans l'optique, ouais c'est nul, l'été ça me manque, et du coup bah j'ai pas été très productive, ni très motivée depuis la rentrée. C'est pour ça que ce week-end est décisif, je pense, dans... ce qui va se passer pendant les prochaines semaines et voilà, je trouve ça juste important en fait, je parle beaucoup pour rien dire. Actuellement il est 9h02 et je me suis levée à 8h. Oui, est-ce que j'ai mis une heure à faire tout ce que vous venez de voir? Apparemment, mais j'ai aussi beaucoup perdu de temps. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Déjà, on est le samedi 4 novembre et on est le dernier week-end des vacances. Genre dans 2 jours, je reprends les cours. Mais ouais, du coup voilà, je reprends les cours là, nickel, trop fun. Et évidemment, on se dit toujours, ouais je vais finir mes devoirs dès la première semaine des vacances, t'inquiète. Bah évidemment non, voilà. Ce qui fait que j'ai pas mal de devoirs à faire ce week-end. Et je me suis dit, mais quelle belle idée, plutôt que de souffrir pendant ce week-end, autant en faire quelque chose d'esthétique et de productif. Voilà, un petit vlog en plus comme ça. Ça fait des vidéos qui sont déjà tournées et que j'aurai juste à monter pendant que j'ai cours. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi pour vous poster, etc. Donc voilà, here I am. Je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer vraiment de faire le maximum de mes devoirs possibles. Et demain, je vais essayer de surtout préparer ma chambre, me préparer. Et on va plus vraiment faire le gros self-care. Comme ça, j'arrive à la rentrée pimpante. Il pleut dehors. Hein. Il pleut vraiment, c'est un temps d'automne, je me suis dit. Hier soir, en fait, en plus... pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? Parce que j'étais en train de regarder des vidéos des youtubeuses américaines, canadiennes... et bref, du coup c'est pour ça que ça m'a motivée. Et tu sais, d'habitude elles font toujours leur petite marche et tout, parce qu'il fait toujours beau dans leurs vidéos, j'ai l'impression. Je me suis dit, bon, moi aussi je vais me faire une petite marche. Aujourd'hui, demain, après-demain, il pleut. Du coup, ça va pas le faire. Donc on va pas aller marcher. Mais... que je vais sortir après parce que j'ai un colis Vinted à déposer. C'est pas le sujet. Alors, je vous fais un petit peu un topo sur ma to-do list. En SVT, pour lundi, j'ai un contrôle de fin de chapitre. Oui. Donc, je dois apprendre le chapitre 1, mais j'ai déjà fait mes fiches. Ça, je suis désolée, je suis obligée de le mentionner. Hein. Et d'ailleurs, à midi, j'ai une vidéo qui sort. Donc, je l'ai mise en ligne hier soir. Et du coup, je l'ai programmée et elle va se publier à midi. Attendez, je vous montre ma fiche du coup. Ça ressemble à ça. Donc là-dessus, il y a vraiment tout, il y a tous mes cours. Je les fais sur ordi, mes fiches. Mais ça, vous savez déjà, si vous avez vu ma FAQ, bah, c'est justement la vidéo qui sort là. Ça fait ça, ça fait ça, et ça fait ça. En vrai, ça va, il y a que 2 pages. Il y a que... une page 3/4. Ça va. J'ai déjà ça à apprendre pour lundi. Ensuite, ça, c'est pour mardi. Mais évidemment, c'est les vacances, donc on va prendre de l'avance pour éviter du stress inutile. Mardi, j'ai... des questions de SES. Alors faut savoir qu'en fait c'était un guet-apens. Vous voyez le prof d'SES, il nous a dit vous allez faire ça, ça, ça. Je fais ces devoirs là, je coche sur Pronote, j'ai fait. Je vois quoi? Il a divisé le travail en 2 tâches différentes, en 2 devoirs différents pour la même date. Ça veut dire fallait déjà finir les pages 5 à 8 de notre cours en répondant aux questions. En soi ça m'avait pris 1h30. C'est pas, je vois, après
En tout, il y a un autre devoir SES, il y a marqué page 9 à 10, répondre aux questions nanana nanana à l'aide de la vidéo plus exercice d'application. Je suis en mode, mais comment ça, mon ref? Genre, j'avais pas vu ça. Ça veut dire que je dois recommencer à faire de la SES. Je refuse. Ensuite, je dois apprendre une méthode de compréhension écrite en anglais parce que normalement, on devait avoir une compréhension écrite le dernier cours d'anglais avant les vacances, mais la semaine avant les vacances, la prof était absente. Donc, je sais pas si elle va nous le faire rattraper dès la rentrée où on l'aura ou le cours d'après. Je pense qu'en vrai, on va l'avoir le cours d'après, quoique on sait jamais. Mais du coup, je vais quand même apprendre la méthode. De toute façon, je vais pas l'apprendre, t'as vu, mais c'est vraiment histoire de retenir la méthode. Donc, on va faire ceci. Ensuite, je dois faire un co-living dead et le déposer. Donc ça va être un peu ma pause. Donc toute la matinée, je vais faire SES, SVT et anglais. Et ensuite, je dois faire mes fiches d'histoire et préparer ma synthèse sur table que je vais avoir en AMC. Donc ça, c'est mercredi. Et voilà un petit peu. Je pense que demain, on aura des choses à rajouter. Mais écoutez, chaque chose en son temps. Et je pense que déjà, ça va être une bonne chose. Ça va vraiment être énorme ce que je vais faire là. Et l'avantage aussi, quand je fais des vidéos, c'est que je suis motivée à le faire. Voilà. Vous voyez ou pas, tout est connecté. Ça vous fait une vidéo un peu productive, nanana. Moi, ça m'oblige à être productive, à finir mes devoirs et à être moins stressée parce que, non, techniquement, si j'étais pas en train de filmer, j'aurais été en mode putain, je vais faire tout ça. Mais là, vous voyez, je prends du recul, je me pose, je vous parle. Donc, ça fait un peu mieux passer la pilule, si vous voyez ce que je veux dire. On commence, on va un peu remettre en place mon bureau. Et du coup, j'ai déjà préparé mon Pomodoro timer. Le Pomodoro, c'est un principe qui consiste à utiliser un timer et à se définir un temps de pause et un temps de travail. Là, j'ai mis 15 minutes de pause et 1h10 de travail et je vais mettre une petite ambiance sonore avec, donc je vais prendre mon casque. En général, je mets des coffee ambiance parce que j'aime trop les ambiances de café et tout, genre avec les petits bruits, la musique jazz et tout. Non, c'est trop relaxant. Quand je vous dis, j'ai essayé toutes les vidéos de ce genre, c'est pas une vanne, genre c'est pas des lol. Anyways les gars, c'est parti, on travaille. Les gars, actuellement là c'est ma pause et je suis trop contente parce que du coup j'ai travaillé pendant 1h10, là j'ai 15 minutes et il me reste que ça à apprendre. Je pense que je vais encore y passer genre une demi-heure après pour répéter mon cours plusieurs fois et être sûr que je l'ai enregistré. Et ensuite je vais passer à mes fameux devoirs de SES là, la feinte qui m'a mis mon prof. Allez feinte, accident, carcasse répare, carcasse remplace. Donc voilà, je suis trop contente. Honnêtement, j'avais dit que j'y prendrais une heure à ça. Bon, ça c'est pas si grave et je vais pas me presser et ne pas bien apprendre juste parce que je me suis dit ouais il faut que je fasse une heure. Bref, voilà, je suis désolée la luminosité et tout, mais il fait super sombre à cause de la pluie. Vraiment dehors il pleut, genre je vais vous montrer, attendez. Genre vraiment t'es mal à pluie, genre, enfin on voit pas trop à cause des gouttes sur ma fenêtre. Mais bref, je vais dire bonjour à la famille parce que du coup j'ai vu mon père mais j'ai pas vu ma mère. Je vais remplir mon petit gobelet d'eau. Voilà, oui c'est de l'eau hein, c'est pas du café, c'est juste pour faire genre... J'ai vraiment mis le flash, mais je sais pas si ça améliore grand chose. Je viens de finir d'apprendre mon truc, du coup j'ai mis 17 minutes à tout répéter et à apprendre la dernière partie là. Je suis trop contente les gars, c'est trop trop bien, genre vraiment j'ai mis genre une heure et demie. Anyways, du coup là je passe à la SES, ça va être un peu moins cool. Mais en vrai je pense que là j'ai le temps, il me reste 50 minutes à mon timer, donc ça va le faire. Et du coup on sera vraiment pile à l'heure pour mettre la story de ma vidéo qui sort. Donc je suis trop contente les gars, je suis grave productive ce matin, ça fait plaisir, on a déjà une tâche de fini, une tâche qui n'était pas des moindres. J'aime trop là les gars, genre premier degré, c'est pas que j'enjoy study, mais en fait le fait de se sentir productif c'est tellement genre grisant comme sentiment. Je raconte un peu trop ma vie je pense. Les gars, je suis trop contente. Attendez, je vais vous dire ce qu'il me reste comme temps au timer. Il me reste genre 13 minutes sur mon timer pour mon temps de travail là. Et j'ai déjà fini la SES. On coche la petite tâche. Oh, je suis trop contente, je suis trop refaite. Et bah, je vais apprendre, je vais revoir la méthode de compréhension écrite d'anglais. Bah, j'ai juste le temps. Et ensuite, bah, vraiment dans 12 minutes, je fais la story. Les gars, je suis choquée, genre, je suis trop efficace.
C'est la pause, donc je vais arrêter, mais j'ai fini du coup de revoir la méthode de la compréhension écrite en anglais. Donc ça, franchement, c'était très rapide. Et j'ai juste eu le temps de relire un petit peu. Donc là, ce que je vais faire après la pause, donc il est déjà 11h52, donc je vais bientôt poster la story, vu que la vidéo sera à midi. Ce que je vais faire surtout, c'est que je vais apprendre un petit peu les connecteurs logiques qu'on a donné sur cette feuille. C'était une feuille qu'on a fait sur la synthèse et sur les erreurs à part produire. Et j'ai aussi téléchargé une feuille avec toujours des connecteurs logiques. Je vais apprendre ça, mais après la pause, déjà là, je pense que je vais aller aux toilettes. Je suis peut-être un peu trop honnête sur cette chaîne, et ensuite, je vais pas remplir mon eau parce que j'en ai encore. Après la synthèse, le travail sur la synthèse, honnêtement, je pense que ça va me prendre genre 20-30 minutes, et du coup, bah, ça me laissera genre, ouais, 40 minutes pour, comment ça s'appelle ? J'ai oublié pour l'histoire. Donc honnêtement, les gars, je pensais pas finir aussi vite, genre je pensais que ça allait me prendre toute une journée, mais au final, non. Et après, je ferai le colis Vinted, je pense, après avoir mangé. Guys, I'm so dumb right now. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je me dis, ouais, j'ai ma vidéo qui se poste, mais j'ai oublié qu'on était que samedi. Et moi, je poste mes vidéos le dimanche. Au bout d'un moment, je me dis, mais attends, mais pourquoi ça se poste pas là? Il est midi 2 et tout. Et c'est pas, je vois. Je me dis, purée, comment ça, la dernière vidéo, elle date d'il y a 5 jours? Je capte après, je me dis, attends, on est le combien? On est le samedi 4, pas le dimanche 5. Du coup, voilà, j'ai pas de vidéo qui sort aujourd'hui. Non, mais je suis. Il me reste actuellement du coup 2 minutes à mon minuteur. Donc je vais essayer de faire le max possible. Et je suis trop contente parce que là je viens de vendre un deuxième produit Vinted. Je suis trop contente! Voilà, we're making money. Et en ce moment j'économise tout l'argent Vinted pour m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Voilà, j'aimerais trop des forums low. Bref, voilà, tout ce que je voulais dire. Là je vais repartir sur le travail, j'ai trop la flemme. Est-ce que j'ai mal au bras d'avoir tenu mon téléphone 2 minutes? Peut-être! Vous avez vraiment des vues très avantageuses. Et d'ailleurs, là, il a arrêté de pleuvoir et il y a une mini éclaircie, regardez. Genre, damn, can see the sun. Fraise, framboise, myrtille. Incroyable, les gars. Je suis en train d'imprimer, du coup, les trucs pour les colis. Et voilà, on va faire les colis, là. En sachant que j'ai pas mal avancé sur mes fiches, j'ai fait tout mon grand teint au brouillon, donc je dois le faire au propre après sur ordi. Donc voilà. Je suis explosée, vraiment. Il est 16h48, donc il est vraiment plus tard. J'ai mangé, etc. Comme vous avez vu, j'ai fait les colis et ma mère vient de partir avec ma soeur pour déposer. Parce qu'en fait, elle aussi, elle avait des colis à déposer. Elles sont parties tout déposer en même temps. Et je suis en train de faire mes fiches d'histoire. Parce que du coup, c'était ma dernière tâche. Et je vous explique là dans mes fiches, vous voyez. Dans notre cours, on a déjà le grand 1 et le grand 2. Et là, ça doit faire au moins 2 heures que j'y suis. J'ai un tenir le grand 1. Du coup, j'ai fait du début là jusqu'à là, voilà. Et sur mes fiches, ça rend comme ça. Donc si vous vous dites, purée, ça fait, on dirait il y a plus d'infos, c'est juste que c'est beaucoup plus aéré et vu qu'il y a des schémas, bah forcément ça prend plus de place. Ça rend comme ça. Voilà, voilà. Là, il est 16h50, je pense que je vais faire une petite pause, ne serait-ce que pour manger un goûter. Je pense que je vais finir le grand 2 tout à l'heure, parce que ça me saoule de faire le grand 1 et de me dire, bah putain, mais t'as pas fait le grand 2, Noémie, genre, t'abuses. Parce que j'ai vraiment mérité une pause. Ah oui, et j'ai regardé un petit peu Pretty Little Liars pendant 10 minutes. Tout ce que j'ai à dire, là, je suis un peu fatiguée. Je pense que ça se voit. Après les gars, quand même, je m'étais réveillée à 8h. Dites-vous que même le samedi, quand j'ai cours, je me lève à 9h. Je me suis levée à 8h. Et demain, je pense que je vais me relever à 8h. Parce que, verrez, on aura une to-do list totalement différente. Mais on va vraiment préparer ma chambre et me préparer. D'ailleurs, ça me saoule. J'ai mes règles. J'ai un big bouton. Mais dites-vous, il y a quelques jours, j'en avais un là. On voit toujours la trace. Mais vraiment, un big bouton là. Des fois, j'avais l'impression que j'allais devenir une licorne. Que j'avais un troisième œil qui poussait. Après, voilà. Je vais fermer ma bouche et je vais me préparer un goûter. J'ai envie d'un truc bas de sucré. Ça, c'est les règles, ça. Dès que j'ai mes règles, j'ai envie de trucs. J'ai envie de mettre limite le pot de Nutella dans ma tartine. Genre, ça va pas du tout. Oh, j'avoue, je suis un peu comme ça toute l'année. Tous les jours. Mais surtout pendant les règles. Genre
Pendant un certain moment, j'étais plus trop dans mon era. En fait, je fais par période sur YouTube. Soit j'ai une période full YouTubeur français, soit j'ai des périodes full YouTubeur américain, mais en général, il n'y a pas d'entre-deux. Bah, vous voyez, c'est exactement ce que je veux dire là. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, je pense aussi, genre, le fait de me dire que je suis dans un vlog, genre que je fais un vlog un peu genre that girl, tout ça, bah, je sais pas, en fait, ça m'encourage à regarder des américaines. Parce qu'en général, c'est vraiment un contenu qui est propre aux américaines et que tu retrouves pas tout le temps en France. En tout cas, je suis pas les bonnes personnes dans ce cas-là. Il faut peut-être que je me renseigne aussi. Donc, du coup, une bonne tartine de Nutella. Pourquoi une? Parce qu'il n'y en avait plus qu'une. En vrai, là, genre, je vais finir ma vidéo. La vidéo, je pense, elle dure genre 20 minutes. Et je pense que je vais peut-être mettre mon manteau et je vais sortir un peu. Parce qu'en soi, là, il fait frais, genre vraiment. Mais il fait genre beau, entre guillemets. Du coup, je vais peut-être en profiter pour aller me faire une petite balade. Bon, en fait, genre, je vais vraiment aller me promener alors que, genre, c'est pas qu'il commence à faire nuit, hein, mais il commence à faire sombre. Du coup, est-ce que j'étais en train de me chier dessus dès qu'il y avait une voiture? Probably. Franchement, dans les 6 minutes chez moi, il y a une route à côté, du coup, je suis un peu gênée. Hein? Mais en fait, déjà, les gens, ils se disent déjà qu'est-ce qu'elle. En ce moment, déjà, les gens, ils se disent qu'est-ce qu'elle fout là? Ben, je me promène, frère. Et avec le téléphone comme ça là? Non. Mes parents vont partir faire des courses. Je vais rejoindre ma soeur là. Est-ce que vraiment à la fin de ma balade j'étais un peu en PLS parce que j'avais peur de me faire kidnapper? Oui, mais c'est chaud quand même, on vit dans un monde de fou. Bref, du coup là je reviens de ma balade, ma soeur est en train de faire sa douche, donc en attendant je vais continuer à mes fiches d'histoire encore. Oui, ouais, c'est à peu près, bah en fait je suis vraiment à la moitié quoi. Bon, écoutez, on se retrouve dès que j'ai fini mes fiches d'histoire. Et après, bah en fait je sais pas, parce qu'après je vais manger et je vais prendre ma douche. Voilà. Mais sinon, du coup, attendez, mais sinon, ma balade en soi, elle était bien. Mais moi, j'ai marché bien vite parce qu'il commençait à faire sombre et j'avais peur. Mais sinon, c'était bien, ça fait du bien de sortir, c'est important. Donc voilà, en plus, mes parents là, ils ont allumé le poêle, ça veut dire qu'il fait bien chaud, c'est nickel, genre vraiment, c'est trop agréable. Honestly, I don't know what I'm supposed to do. I feel so lazy today, guys. I'm not in the mood. I don't have any motivation and I don't want to do anything. The only thing I want to do is to finish my book. Look at this. I'm almost at the end. But we still have so many things to discover. Anyways, I really want to finish it. I think it'll take me like an hour or an hour and a half. But anyways. Ouais, du coup, je sais pas, les gars. Je suis trop lazy là aujourd'hui, j'ai trop la flemme. En vrai là je dois juste, déjà d'une, j'ai oublié une partie de mon bilan dans mes fiches d'SVT, ça veut dire là je dois prendre un truc, mais je sais pas, je crois que c'est par rapport aux cellules eucaryotes et prokaryotes. Du coup je dois faire ça et je dois finir mes fiches d'histoire. J'ai pas envie. Enfin, regardez ma tête, au bout d'un moment, regardez mes cheveux, même mes cheveux, ils ont pas envie d'être là. Bref, d'ailleurs, du coup, il est 10h34. En soi, ça va, il est pas trop tard. Mais genre, j'ai littéralement commencé la journée en passant une demi-heure sur TikTok. 40 minutes sur TikTok. Et puis, en fait, j'étais crevée à cause de cette chanson là que je peux même pas enregistrer. Je vais refaire un tour par contre sur Pronote. Parce qu'on sait jamais, hein. Pronote, ils aiment bien me mettre des feintes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je comprends pas. Parce qu'en plus, j'ai bien rangé ma chambre hier, nananinana. Comme ça, je me suis dit, je mets les pieds sous le bureau et je travaille. Je pose mes fesses sur ma chaise et je travaille. Mais ouais, de fou malade. Donc je pense que déjà, je vais commencer par la SVT. Parce que, d'ailleurs, ce qui est le plus important, parce qu'en soi, j'ai pas de. Ah, parce que j'ai pas de deadline pour faire mes fiches. C'était juste pour m'avancer. Donc j'ai commencé par la SVT. En soi, il y a vraiment genre. Allez, une définition, je dois apprendre. Donc voilà, on se retrouve plus tard quand on fera des choses intéressantes. Parce que là. Damn, vous m'avez vu travailler toute la journée d'hier, je vais pas vous faire la même chose aujourd'hui.
le flash, mais j'ai trop la flemme de prendre Ring Light, donc voilà, je vais niquer les yeux, c'est pas grave. Ah, alors les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je vous ai pas pris, genre en fait, je vous ai pris jusqu'au moment où j'étais en train de ranger, et là, j'ai complètement nettoyé ma chambre. Les gars, un rangement, je vous dis, vraiment, un nouveau départ. Ma chambre est propre, maintenant c'est à moi de me faire une petite beauté là, parce que les gars, j'ai les lèvres gercées. En plus, j'ai plus de voix, je crois que j'ai chopé un truc, parce que genre, j'ai mal à la gorge depuis ce matin, et j'ai le nez qui coule. Fallait bien que ça arrive, je me disais bien aussi c'est trop calme pour un octobre. Bah oui, mais je vais pas filmer dans ma douche, tu vois, genre. Donc voilà, et surtout qu'en plus là, actuellement il fait nuit, genre il est 18h30, il fait nuit, enfin. J'avais oublié ça, pour moi il faisait nuit à partir de 19h30, pas du tout 18h30. Bam. J'ai déjà commencé à préparer mes affaires pour après la douche. C'est bon, je viens de le faire. Et ensuite on va un peu papoter, tout ça, sur mes ressentis pour demain. C'est pas du bon, mais c'est pas grave. Et voilà quoi, ouais, je pense que je vais le lire. Parce que là j'ai quasiment fini mon livre. Mais en même temps j'ai pas envie de le finir, genre j'ai envie de le finir un peu dans les transports et tout. On verra, là on va se préparer. Bref, anyways, je vais me moucher là parce qu'on prend trop de temps en fait. Et oui, évidemment, shampoing, je vais me clean le visage, je vais me gommer le visage. En fait, on va décaper cette peau là parce qu'en plus, en ce moment, ma peau c'est une galère. Donc bref, voilà. Surtout que j'ai pas fait de skincare ce matin, genre au secours. Anyways, je vais devenir aveugle avec ce flash dans mes yeux là. Alors sachez que j'ai tout fait, j'ai la lumière là, j'ai ma ring light et j'ai le flash. Je sais, vous voyez toujours ces petites histoires d'effets de matière là sur les genre, je sais pas comment dire, mais bref, vous savez capter, genre cet effet granuleux sur la vidéo. Je sais, j'ai pas encore l'argent de m'acheter un Canon G7X, on va faire 100, parce qu'on a toujours fait 100. Alors là, je viens de finir de manger et je vais vous faire un peu un petit, j'allais dire get unready with me, mais ça se voit, je suis déjà unready en fait. Vous voyez ce que je veux dire, j'ai littéralement ma gouttière dans la bouche et ça c'est pas être... unready. J'ai mon truc pour les cheveux et mes cheveux, je les ai bien scrunchés là. J'ai bien mis le produit, j'en ai mis trop. Du coup, à tout moment, demain, j'ai les fait cartonner en max. Ce n'est pas un problème qui me concerne sur l'instant T. Donc, je montre les produits. C'est une eau de beauté comme ça. C'est un peu genre lotion tonique. Et je le mets parce que, en fait, j'ai déjà fait un gommage et j'ai nettoyé ma peau. Donc, quand j'étais sous la douche avant de manger, j'ai quasiment pas mangé d'ailleurs, mais j'ai pas du tout faim. Maintenant, je vais mettre ce sérum de chez Aromazone. Voilà, voilà. Et voilà, c'est un sérum effet peeling, ils disent. Donc celui-là, il pique un peu. Mais en vrai, je sais pas, il y a des gens qui disent « Ouais, ça pique beaucoup. » Enfin, moi, je pense que ma peau, elle est en... Ma peau, c'est du cuir, les gars. Moi, je ressens pas du tout les picotements. Enfin, j'en ressens un peu. Mais genre, il y en a, ils disent « Ouais, non. » Faites attention, n'exposez pas votre peau au soleil. Damn. Pourquoi moi, ça me fait pas cet effet-là? Ah ouais, je suis luisante, frère. On dirait que j'ai mis une huile. Attendez, c'est laquelle la... Oh, les gars, j'ai oublié. J'ai oublié. Bref, il faudrait peut-être que je vous parle en même temps que je fais ça. Alors, vous allez me dire pourquoi je fais un gua sha, le gua sha, Noémie. Mais en fait, c'est que j'ai ce côté de mon visage qui est beaucoup moins dessiné que celui-là. Mes parents m'ont rayonné quand j'aurais dit « Oui, je fais ça parce que nanana. » Mais en fait, c'est vraiment complexe le fait que mon visage soit asymétrique. Et voilà, je me confie sur mes insecurities. Purée, c'est pas du tout esthétique comme les autres. Mais en fait, je vois pas, genre j'ai déjà la peau grasse, tu vois, je vais pas utiliser une huile comme elles font. Et je vous jure, je suis vraiment enrhumée là, ça me saoule à un point. Genre là, je suis dans cette phase où je me dis, mais putain, mais pourquoi t'as pas plus profité d'hier quand t'étais pas enrhumée, genre. Et accessoirement aussi, quand t'avais pas. T'étais pas la veille de la rentrée, genre. Et ensuite, je vais mettre cette crème. C'est un format voyage, mais d'ailleurs elle est quasiment vide, donc je suis vraiment en train de la vider. Bref, pour demain les gars, écoutez, en vrai, ça va. Genre, je suis stressée, t'as vu, j'ai mal au ventre à cause du stress. Bref, en vrai, je suis pas... En vrai, ça dépend. Mais en soi, c'est pas ma pire rentrée, genre, dans le sens où je me suis quand même préparée et ce week-end, j'ai quand même été productive. Donc, déjà, rien que d'avoir fait, tu vois, mes pinch d'histoire en avance, c'est un truc que j'aurais pas tout le temps fait, que je fais pas du tout le temps. Mais du coup, là, ça m'enlève un poids. Et demain, j'ai contrôle, mais en vrai, je suis tellement... j'ai vraiment super bien révisé. Ça veut dire, là, je me sens vraiment prête, genre. Et aussi, tu vois, dès que t'as une motivation pour aller en cours, faites pas crari, vous avez pas compris. Dites-vous, enfin, vous, c'est pas possible que je sois là. La seule que ça motive d'avoir un crush en cours, genre. Les crushs, la vie, hein. Ma crème pour les lèvres, là, c'est pas sponsor. J'aurais bien aimé, hein, parce que j'ai de l'argent à gagner pour un voyage avec l'école que j'aimerais bien financer. Enfin, parce qu'en fait, ça coûte très cher et que voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à partager tout, comme ça, l'algorithme, il référence mes vidéos. Enfin, comme ça, j'ai un bon référencement au niveau de l'algorithme. Mais voilà, ça se voit pas du tout que j'ai pris soin de moi, genre. Enfin, on dirait juste que je suis une folle. On se retrouve après, là, parce qu'avec le flash, là, ça m'éblouit, j'arrive pas à bien épiler mes sourcils. Le cadrage, frère, t'as fait deux puits, je fais des vidéos YouTube, je sais pas.
faire un putain de cadrage. Non mais le jour où j'aurai une bonne caméra les gars, avec un retour et tout, vous verrez mon plein potentiel. Mais là avec un iPhone 8 ça va pas le faire. Bon les gars écoutez, je suis totalement prête. Mais en fait je suis satisfaite là. Donc déjà j'ai tout mis à charger. J'ai mis ma batterie externe à charger. J'ai mis mon ordinateur du lycée à charger. Je vais devoir mettre mon ordi perso parce que là il a batterie faible, je pense à cause de la ring light, ça lui bouffe de la batterie, t'as jamais vu ça, et il se décharge assez vite. Bref voilà, je vais vous laisser là, enfin je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire. Là je vais lire, donc je suis à l'as de pique, attendez je vous montre, genre, il me reste vraiment genre ça, du coup je pense que je l'aurais fini, non j'aurais peut-être fini demain, parce que demain je compte lire dans le bus et tout. Il est 21h55, faut que je mette mon réveil, demain je prends le bus et je... Bref les gars j'espère que le vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous le voulez, à vous abonner, j'espère que vous aussi votre rentrée du coup des vacances de la Toussaint bien passé. Et voilà quoi, je vous dis bye et prochaine vidéo, je vous aime.